tous, c'est Wolfied. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois, on a libéré la troisième grande fée. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire un peu tous ces marqueurs. Voilà, j'ai des marqueurs de partout. Pourquoi j'ai un marqueur là? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai des marqueurs de partout à faire. Le premier, le plus proche, c'est le bleu. Ah oui, c'est le géoglyphe. Alors, pour aller au bleu, on va passer par ici. On va voir si on peut faire tous les marqueurs dans les temps. J'aimerais bien aussi qu'on retourne dans le ciel. Il y a une île qui est accessible, que j'aimerais bien faire, qu'on avait vu dans les démons du jeu. Qu'ils ont testé nos amis youtubeurs qui ont eu la chance d'aller à Francfort, à Nintendo et tout. Peut-être un jour, je pourrais le faire aussi, j'espère. Ça me plairait beaucoup en tout cas. Mais voilà, du coup... Alors, celui-là que je veux, c'est le bleu clair. Voilà, par ici. Ah oui, ben il est loin. Voilà, je vais aller sur le géoglyphe en face. Voir ce qui s'y passe. C'est un Korogu, ça, hein. Eh oui. Ah, je sais. Il est où ton ami? Dis-moi. Dis-moi qu'il est accessible. C'est tout ce que je te demande. En face, ok. Alors. Pas fait attention. Voilà. Qu'est-ce qu'il me propose? Un skateboard. Et... Ah, j'ai pas besoin qu'il aille très loin. J'ai besoin qu'il me rapproche un maximum. Non, tu là. Arrête de bouger, toi, t'es en train de me dévier la vieille, il va partir tout seul. Oh, je t'ai pas vu, elle est là. Et une turbine. Alors. Bon. Aïe. Ah, ça se tient, hein. On va tous mourir ici. Eh bien, on a, t'as échappé à un demi-tour jusqu'en bas du jeu. Ok, bon, celui-ci, il est fait, c'est cool. Donnez-moi vos deux noix. Voilà. Ils ont beau nous donner des noix par deux, il y a par moments, elles sont pas faciles à avoir. Hein. J'aimerais tellement pouvoir faire ce dragon. J'ai pas assez de flèches. Il y a ce trou à faire et tout. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Ah, d'ailleurs, c'est le trou qui est noté là. Ah, oui, c'est le trou. Bon, ben. On va voir ce qu'il y a dedans, les amis. Hein. Ça va nous changer un peu d'aller dans des trous. Enfin, moi, ça ne change pas grand chose, mais. Enfin, bon. Va le fliquer dissident. Allez.
qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ah ah! Grotte du tourbillon du lac Ilia. Examiner. Pourquoi il n'y a pas de sanctuaire? C'est une structure de sanctuaire, ça? Ouais, ça c'est gentil, mais. Fais offrande au sanctuaire du cristal qui indique la lumière. Alors tu recevras la lueur qui chasse le mal. Ah! Ah! C'est ça les fameux cristaux verts qui nous disaient ça, j'ai pas le droit de vous le montrer, machin et tout. Et comment vous. Comment je vais faire pour amener un cristal vert là-dedans moi? Parce que je ne sais même pas où il est. Il est même pas dans la grotte. Oh. Ça, c'est un cristal pour nous, les amis. Tu vas pas me dire que le cristal, il est... C'est un peu loin. On va passer par celle-ci. Vous allez voir que le cristal en question, il est tout simplement sur le dragon. Ça y est, le dragon du lac, là. Et si c'est ça, les amis, votre ami Wolfit va avoir quelques menus problèmes. Tiens. Il y a une structure, hein, on va y aller. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Examinez. Cette inscription est rédigée en érulien ancien. Vous ne pouvez pas la déchiffrer. Ok, merci. C'était gentil. Je suis sûr que c'est ce monstre qui a le cristal dont on a besoin. Ah non, ça m'indique que c'est au ciel. Ah ouais, bah alors là, pour aller là-haut, par contre, je ne pense pas pouvoir le faire pour le moment. Alors par contre, c'est bien si les sanctuaires planqués nous indiquent où sont leurs cristaux respectifs. C'est plutôt cool. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen d'y aller, et ça... pas gagné. Oh, il est énorme ce monstre. Là autrefois il y avait un Korogu. La bestiasse. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Mon arme, j'ai pas grand chose qui fasse du mal. Cette défense, j'ai 14 flèches, j'aurais pas assez de flèches. C'est même pas la peine. Bon. Bah on va essayer d'atteindre le géoglyphe. Voir. Bah tiens. Vous n'avez pas honte, vous êtes partout, vous. Hein. Et il est où ton ami? En plein milieu de l'île là-bas. Merci. Moi je veux bien faire des Korogu tout ça, mais...
des planches, d'accord. Il y a des roues. C'est pas du tout ce que je veux faire. J'aimerais que tu te redresses là-haut. Ah. Voilà. Ce serait bien que tu arrêtes de te barrer. Par contre, la construction. Je sais même pas ce que je fais, hein, pour être honnête avec vous. Ben, juste qu'il y a des roues et je me dis bon, peut-être que. Ça va pas dans un sens, ça va peut-être dans l'autre. Mets-toi au milieu. Ah, elle scolle partout sauf où je veux. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais je le sens mal, moi, perso. Quelle horreur. Ça a pas marché. Merde. Mon Dieu. C'est une horreur. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée aussi, et en plus il tombe pas droit. Je vais me noyer sur mon propre vaisseau. Oh. Allez, grimpe. Allez, Link, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'ai encore mis à l'envers, c'est ma spécialité ça, les amis. Va dans l'autre sens, va dans l'autre sens, va dans l'autre sens. Mais pourquoi tu fais ça?
qui a l'enfer. J'arrive même pas à remettre un simple radeau sur le bord. C'est une histoire de fou, ça aussi. Oh là là, je manque pas grand chose, allez, casse-toi. À la flotte, alors je n'ai pas réussi à le coller. Ça y est. Eh ben les amis, que d'aventure, hein. Ah, vous rigolez, hein, vous, hein, bien. Face à la détresse du Volfield. Trouvez que là vous mettez vous êtes un peu barjot, hein, les courroux. Là il y a un gouffre, ok, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce géoglyphe. Qui dit géoglyphe, les amis, dit l'arme du dragon. Je vous avoue que pour l'instant, je ne la vois pas. Je pense qu'elle va être assez dure à trouver, celle-ci. Accoster ici, on va voir ce qu'on trouve. Enfin, quand ça se décidera à arrêter de pleuvoir, bien entendu. Alors normalement, celui-ci, si je vais là, il doit y être. Yes. Ah, je peux pas le supprimer. Que j'aimerais virer tout ce qui marche pas, parce que vous voyez, j'ai plein de trucs qui servent à rien. Vous me direz comment on fait aussi, si vous avez trouvé. Bon, je regarderai hors caméra aussi, mais là, quand je joue avec vous, ça prend du temps. Je suis en bas du géoglyphe. Avec un peu de chance. Non, il est pas ici. Ça aurait été trop beau. Avec la pluie, ça va être très très dur de filer ce glyphe. Alors on cherche de l'alarme, mais voilà, c'est. Habituez-vous, hein, je joue souvent dans les machins comme ça, moi faut toujours qu'il pleuve. Hein. Dès qu'il y a un truc à gravir et tout, c'est. Alors je sais qu'il y a la tenue de la grenouille à débloquer pour ça. Je ne le vois pas. Je
j'imagine que le souvenir, l'alarme, doit être quand même dans un endroit assez plat pour qu'on puisse la visiter. Et j'ai tapé là l'instant hein, sur les géoglyphes, hein, les amis. Et voilà. Hein. Quand votre personnage se met à glisser, vous êtes foutu. Allez, il va s'arrêter de pleuvoir. Nous permettre d'en apprendre plus sur l'histoire à condition de trouver bien entendu l'alarme. Je crois qu'elle est là. Ouais, ah je suis content. Allez, c'est parti. Cool 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 cool. Talence. Mmh. Oh, Sonia. Ah, je suis navré pour toi. C'est toi, Zelda ? Votre Majesté, demain vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Que c'est un vieil homme. Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Oh, Votre Majesté. Et puis, s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Lynn. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or, tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai. Bien, 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 bien.
Ça m'a fait flipper, à un moment donné, il avait pas de bouche. Je dis, attendez, s'il reste comme ça. Bon, c'est pas pour peu qu'il parle, mais. Bien, bon, ça, bah, je sais toujours pas comment on y accède, mais je trouverai, vous inquiétez pas. Ensuite. Les balises. Elles sont ici. Oh, j'en ai trois ici. Alors, on va déjà essayer de faire celle du domaine Zora. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette balise ici. Mais on va y jeter un oeil. Ça doit être des sanctuaires, hein. Il y en a tellement de partout sur la carte. Et c'est vrai qu'on n'en a pas fait tellement, en fait. Hein. On en a fait 38, c'est tout. Hein. On se balade, on parle, on râle, on se perd, on fait des temples. De temps en temps, je me fais un peu à manger en off. En off, je pense que je farmerai aussi des cristaux pour les batteries, parce que il va en falloir des milliards. Alors, c'est pas ici. C'était une balise que j'avais en hauteur. Forcément, elle ne me servait plus à rien. Bon, ça, on verra plus tard. La balise verte. C'est là-bas. Là où il y avait la région d'Akala. On va essayer de s'en rapprocher quand même, non? Mais je ne peux pas. Si, ici, un peu. Peut m'en rapprocher un poil. Des fruits à eau, ça tombe bien, j'en ai plus. Alors, on a dit la verte. Parce que la jaune. Ouais, c'est. Niveau distance, c'est pareil. Hein. Mais elle est plus accessible. Bon, alors la jaune d'abord. Parce qu'elle est juste en face. Oh, il y a un roulier en plus. Celle de la région là-bas. Ah, il y a une grotte aussi là-bas. Ah, il y a notre ami Terry en bas. On va voir si on peut lui acheter quelques flèches. Non, j'ai rien à améliorer. On fait que passer, hein, on a plein de relais où il y en a des quêtes à faire et tout. Oh.
Et c'est pour bientôt, hein, les petites quêtes avec Lubi et tout, hein. C'est pour très très bientôt. On va commencer à retourner dans les endroits où on a déjà été, les pierres, tout ça. À parler aux PNJ, voir s'ils ont des quêtes à nous confier. Il y a donc à commencer à faire quelques quêtes annexes. Sanctuaire Kizinona. Allez, c'est parti. Le pouvoir du vent. Ah bah. C'est un pouvoir que je maîtrise. Filez-moi un bon cassoulet, vous allez voir. Ah, le coq-offre. Ok, j'ai que deux turbines, il va falloir que j'alimente tout, vous allez voir. Ça va être la galère. Et pour l'instant, on a un coffre à récupérer, les amis. On va passer au-dessus, hein, non. Arc de golem surpuissant, 24. C'est sympa. D'accord, il s'arrête très vite. Ah, il s'est pas mis comme il faut. Oh, ça va être l'horreur. Oh non. Oh non, non, non. La poisse. Ça y est. Non, c'est pas le bon. Aïe. Oh là là, alors pour l'avoir en vol, les amis. Ça y est. Voilà. Bon, sinon j'aurais pu le tirer une simple flèche ou taper dedans et c'était fini, mais c'est pareil, ça fait partie des choses, j'y pense qu'après. Et quel sac. C'est cool, j'ai toujours ça en moi à faire. Maintenant, il faut que j'aille à l'autre sanctuaire. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Et ce point rouge sur la carte, ah oui, c'est chez les gars Udo. Oh, il y a quoi là-bas? Ah oui, j'ai pas été dans le puits non plus. Ah, il y a tellement de choses à faire, les amis. Ah, là-bas, il y a un coffre.
Ah oui, un coffre enfoncé. Ah. Bon, on fera ça une autre fois. Parce que le temps que je construise quelque chose, les amis, que j'aille jusqu'au coffre, que je le retire, que je prenne le second coffre, etc., ben, on aura quasiment plus le temps de jouer. Hein, parce que vous savez que moi, les constructions, ça me prend des plombes. Alors là, de suite, on a un Korogu qui est faisable. On a un sanctuaire qui est pas très loin. Et je préfère vous montrer ça plutôt que vous montrer un coffre. Alors, le but, c'est de refaire un carré. Voilà. Ils sont pas trop durs, ces puzzles. Ah oui, c'est vrai qu'on avait la grotte là-bas aussi à faire. Ouais, ben... Hein, voilà. Alors, on va passer par là. Ah oui, il faut qu'on tue beaucoup de bocoblins noirs aussi. Il faut que j'en tue au moins une dizaine, que je récupère leurs cornes pour pouvoir améliorer davantage mon armure. C'est pas les bons bocoblins. C'est pas grave, on va être tué quand même. Il est fait parce que voilà, il est protégé par un arbre, le machin. Voilà. Les flèches, c'est cool. Non, on se méfie pas assez des arbres, hein, les amis. Ça, c'est toujours intéressant à prendre aussi. Puis il va falloir quand même que je commence aussi en off à me faire des stocks de rubis. Parce que ça revient très cher et d'acheter des vêtements et de upgrader les vêtements et d'acheter des flèches. Je ne sais toujours pas si notre maison est toujours valide ou pas, ou s'il faudra construire une maison. J'aimerais bien, vu que la construction est un peu plus au centre du jeu, qu'on puisse construire une belle maison, mais qu'on puisse y fixer des armes et des boucliers, parce que... Ouais, Gerudo. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ça va, ta... Oh. Fais attention si tu te rends au grand pont d'Akala, qui se trouve un peu plus loin, par là-bas. De nombreux monstres y ont établi une base. J'aimerais bien leur donner une leçon, mais toute seule, je n'ai aucune chance. Ce qu'il faudrait, c'est que la brigade anti-monstres vienne faire le ménage. Mais je crois qu'en ce moment, elle est en mission au pied de la montagne de la mort en Ordine. Ok, donc il y a une brigade anti-monstres. En plus d'une brigade donc anti-pirates, apparemment. Je trouve ça plutôt cool. Peut-être qu'on pourra combattre avec eux, je pense que c'est ce qui est prévu, hein. Ça me semble évident. Mais ça va pas nous empêcher de monter là-haut, du moins d'essayer de monter là-haut. Je sais toujours pas ce que c'est que ces flèches, hein. Alors moi, ça nous a dit qu'il faut nous mettre ici au milieu, mais... Ou sur ce machin. Ah, un Korok. Putain, c'est ça les flèches? C'est-à-dire qu'au milieu des flèches, il y a un Korogu?
ma foi, pourquoi pas. L'idée me plaît assez, si c'est ça. Bon, ça veut dire qu'on en a raté pas mal, mais... Voilà, là, il y a des beaux copains qui m'intéressent à tuer. Les bons copains, c'est pas les bonnes cordes. Ouais, c'est ça, c'est cool, ça fait une horde de monstres à combattre. Ouais, le problème, c'est que j'aimerais... Non, non! Je voulais éviter ça. Bon, ben, obligé de descendre récupérer les drops. Parce que voilà, du coup, ils avaient plein de trucs intéressants. Alors, on a une corne sur 5. Enfin, sur 10, hein, mais vous m'avez compris. Un bon bouclier aussi qui traîne. Et maintenant, bah, il faut tout remonter. Donc dites merci à ma brigade de PNJ qui s'est pris d'affection pour tuer les monstres. Donc voilà, alors ça c'est une nouveauté du jeu aussi. Hein. Il y a des hordes de monstres à vaincre. Je sais pas si elle repop. J'ai vu un gros monstre là-haut. Faut grimper ça. Alors, est-ce que je peux passer par là plutôt? Parce que j'ai peut-être une idée de comment remonter sur le pont. Voilà, si j'arrive à aller là en face. C'est quoi ces bouchons? J'ai toujours pas compris. Attendez. Là, j'ai peut-être une idée. C'est pas dans le bon sens. J'arriverai pas, hein, lâche. Voilà. Et si je fais ça... Voilà. Ah, le prochain, j'essaierai avec une fusée, les amis. Tu peux pas passer sous le pont? T'es sérieux? Bah! Bon, bah. Je suis désolé, les amis. Je pensais qu'avec mon pouvoir d'infiltration, je pouvais passer sous le pont. Et je sais même pas si j'aurais assez. D'endu pour remonter. Quand mon personnage a chuté. Oh la vache. Ah, vivement qu'on trouve la tenue d'escalade, hein, les amis. J'arrive à atteindre la corniche là, peut-être que je pourrais tenir debout. Ça m'éviterait d'utiliser un de mes plats.
parfait. Allez, maintenant tu veux bien. C'est ça, y a une distance, il y a une hauteur. J'espère sincèrement que c'est quelque chose qu'on va pouvoir booster à l'avenir. Parce que sinon, on va avoir du mal. Hein. Et tout ça parce que mes PNJ ont éjecté mon mob au-dessus du pot. Ah, ils ont pas de pitié. Hein. Qu'est-ce que ça va être quand on va en avoir 4 d'un coup? Oh, 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 oh. Allez, je vais aller à ce sanctuaire. C'est encore un peu de temps à jouer. Je sais pas si j'arriverai en haut. Touché. Touché, j'ai dit. Oh, bah par contre, on peut faire plein de choses ici. On peut rentrer dedans aussi. Et monter en haut. Oh. Eh bien les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, devant Akala. Et je me tâte les amis si on monte directement au fer du sanctuaire ou si on visite l'intérieur. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mettez-moi un maximum de pouces bleus, likez donc à fond cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Donc vous pensez à la petite cloche. Et nous on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Bye bye les amis et portez-vous bien.